aujourd'hui, on va devoir faire le meilleur pancake art et à chaque manche, on va tourner la roue du malheur. Si elle tombe sur l'un d'entre nous, on va devoir cuisiner avec un énorme désavantage. Soit être scotché, soit porter des poids extrêmement lourds ou encore porter des lunettes multicolores. Notre ami Zié va devoir juger les pancakes et donnera un point au meilleur. Celui qui aura le moins de points à la fin de la vidéo se fera tirer dessus au nerf. Qui remportera la vidéo? C'est l'heure de faire des pancakes online. Cette fois-ci, j'espère que je vais gagner. La dernière fois, j'ai perdu. Mais aujourd'hui, je compte gagner. Pour commencer, on va devoir faire un pancake en forme d'émoji qui rigole. Bref, avant tout, on va savoir qui est-ce qui va avoir un désavantage pour commencer cette manche. T'es chaud de tourner la roue, bah? Si je tourne. Allez, okay. Allez, faut que ça tombe sur Bilal, les gars. Toi le lag, allez. Non, arrête-toi. Yes. Mais non, je commence la vidéo trop mal, les gars. Du coup, c'est quoi ton désavantage? Le désavantage, les gars, il se cache dans cette cloche. Je vais piocher. Attention. Je crois que ça va être une dinguerie, les gars. Tu vas avoir les bras scotchés. Mais les bras scotchés. Mais wesh, tu veux me tuer ou quoi? Vas-y, Bilal, tends les bras. Aïe, aïe, aïe. Doucement, non, mes mains, j'ai besoin de mes mains. On a dit les bras scotchés. Bah oui, mais c'est pas les bras, ça, t'as pas le droit. Mais non, mais remonte plus haut. Non, vous mettez les bras. Mais il est fou, lui, ou quoi? Voilà. Mais comment je vais faire des pancakes? Je vous l'ai dit, cette fois-ci, je compte bien gagner. Bon, à partir de maintenant, on a 2 minutes ton lag. Ok, c'est parti. Alors, les gars, l'emoji MDR, il ressemble à ça. Du coup, c'est principalement du jaune, du blanc et du bleu. On va commencer par le... Pourquoi il n'y a pas de jaune? Il n'y a pas de jaune? Oh, je vais utiliser ma botte secrète. J'ai mon colorant jaune et toi, t'es dans le pétrin. Oh, c'est très cher. Bah ouais, à chaque fois, tu fais en sorte que je perde. Moi, je me suis libéré les mains parce qu'à la base, c'était les bras scotchés, ok? Hop là, c'est bon. Je prends mon colorant alimentaire. Allez, on met la dose. Ok, et là, je mélange. Attention. Wesh. Oh, ça marche, les gars, ça devient jaune. Ok. Oh là là, mec, c'est incroyable. J'ai la couleur jaune. Par contre, tu vas me la prêter, hein, la couleur jaune. Bon. Mais t'as pas le choix. Tu te débrouilles. Par contre, allez, fais vite, là. Il reste encore 1 minute et 30 secondes. Quoi? Attends, j'ai perdu 30 secondes à enlever les trucs de ton lag, là. Ok, je suis en train de faire un emoji. Donc, c'est un rond, un emoji. C'est facile. Voilà. Oh là là là. Je vais commencer par les larmes. Elles ressemblent un peu à rien, ma larme. Mais on va se rattraper sur la deuxième, les gars. Ok. Concentration. Oh, tu parles plus? Ah, mais il est concentré. Ok, c'est pas mal. Maintenant, je fais ma deuxième larme. J'ai fait les deux grosses larmes. On dirait pas trop des larmes, mais c'est pas grave. C'est trop dur ton truc, Bilal. Comment c'est trop dur? C'est moi qui ai en désavantage. Là, regarde, j'ai les bras scotchés. Ah, mais attends, mais il me faut du blanc. Mais non, je fais comment? J'ai plus de blanc. Je fais comment les yeux? Tu me prêtes ton blanc? Bah, tu me prêtes ton jaune. Ok, les gars, j'ai pas le choix. Qu'est-ce qu'il fait? Il va perdre. Y a pas de noir. Oh, ton mélange, il est incroyable. Regarde, c'est tout jaune. Je suis choqué. Ça, c'est fait. La bouche, elle ressemble à quoi? J'ai oublié. Moi, je sais, je te dirai pas. Les gars, déjà de base, dans la vie, j'ai deux mains gauches. Alors là, avec les bras collés, c'est encore pire. Fais voir le blanc, fais voir le blanc. Attends, mais t'as fait quoi? C'est n'importe quoi ce qu'il fait. On dirait il est maquillé. Ton emoji. Mais frère, mais t'as vu le tien? En plus, les larmes, mais c'est quoi ces larmes, les gars? Je vais commencer la cuisson. Hop là. Par contre, cette fois-ci, les gars, je vais pas le cramer. Oh, ça ressemble à rien, je suis dégoûté. Mais c'est bon, c'est quoi ces larmes, frère? Toi, tu rigoles comme ça, genre tes larmes, elles partent sur le teco comme ça, genre. C'est bon, j'ai terminé, je mets à chauffer. Ok, oh, là, plus je le regarde, plus j'ai l'impression que c'est le même emoji. Mais t'as fait un emoji ou un alien? C'est quoi ça? Déjà, c'est pas à toi de juger. C'est notre ami Zié qui va nous dire qui a fait le meilleur emoji. Eh, tiens. Ah, mais attends. Quoi? Tu peux pas te défendre là? Non, arrête. Mais comment sur tes mains? Mais il est malade. Ouah, c'est bon. Tu vas voir, prochainement, je vais me venger. Je crois que le mien est prêt. Oh. Ah, il est horrible. En vrai de vrai, les gars, moi, je suis confiant. 3, 2, 1. Tadam! Attends, mais j'ai l'impression qu'il a 70 ans, mon emoji. J'ai repris confiance, les gars. Regardez, c'est n'importe quoi. Mais pourquoi il a pris des rides? Vas-y, les gars, je suis dégoûté, frère. On dirait c'est un papy, mon emoji, frère. Hop là, on va aller voir notre ami Zié. De toute façon, même comme ça, j'y vais gagner. Mais jamais de la vie. Ramenez-moi vos premiers pancakes! Attends, je te le montre pas tout de suite. Fais-moi une blague. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Jonathan! Bon. Zié, je vais goûter ça. Mais attends, regarde à quoi ça ressemble avant. C'est vrai, j'avais vraiment faim, les gars. Désolé. Ça, c'est un mignon. Ouais. Et ça, c'est un alien ou un fantôme, un monstre, non? Un monsters? Mais non, c'était censé être le bitmoji qui rigole, là. Ah, le smiley qui rigole, là, ouais. Les gars. Ok, lui, il rigole de travers, alors. Là, tu vas devoir choisir le meilleur. Vas-y, dis-nous, qui est-ce qui a le point? Tu vois, je regarde bien. Franchement, la vérité, si je m'en fie à ce que je connais des téléphones portables et aux emojis que j'utilise, j'utiliserais plutôt celui-là. Quoi? Non. Quoi? Mais n'importe quoi! C'est un menteur! Mais toi, Nlag, on n'est pas dans Moi Moche et Méchant! C'est toi le Moi Moche et Méchant! Vas-y, bon, cette fois-ci, je vais gagner, je te l'ai dit! Avantage, désavantage, je m'en fous, je gagne! Bon, on va voir, là, retourne la roue! Attends. Pour ce deuxième pancake, on va devoir reproduire Spider-Man! Spider-Man! Oui, let's go! Bon, allez, on tourne cette roue! Okay. Allez, toi le lag pour ce désavantage. Allez, okay. Toi le lag, toi le lag, toi le lag. Allez, arrête-toi. Non.
T'es prêt à tirer ton désavantage ou pas, Tone Line? Putain que ça va être dur. Une chaussette. Chaussette, mais pas n'importe lesquelles. Mais chaussettes de foot qui puent. Tiens. Oh mes mains, elles vont puer après. Et ouais, c'est un désavantage, frère. En plus, j'ai joué au foot juste hier, les gars. Ah, tiens, hop là. À partir de maintenant, on a 2 minutes. Let's go. Ok, Spider-Man, du coup, il est rouge et bleu. On fait la tête de Spider-Man. Ensuite, les yeux de Spider-Man. Mais tu fais quoi? T'as toujours pas commencé? Mais j'y arrive pas, tu puis les pieds. C'est impossible. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que comme j'ai la chaussette, si je me rate... Mais non, pas mes chaussettes de foot. Allez, je me concentre. Bon, faut que je fasse les gros yeux de Spider-Man, là. Par rapport à tout à l'heure, je commence bien. Et en plus, tout à l'heure, j'ai gagné. Donc là, c'est sûr, je vais gagner. Et là, maintenant, il faut faire la toile d'araignée. Comment on s'y prend la toile d'araignée? Oh, c'est chaud. Ensuite, ça part comme ça. Petite toile d'araignée par là. En vrai, je m'en sors vraiment pas mal. Oh, t'es bien. Oh non, les gars, je sens que je vais perdre là. Tac. Tac. Oh là, je suis trop chaud. Arrête de me copier! Je suis obligé, je sais plus comment il est, Spider-Man, moi. T'avais qu'à regarder les films. Là, celui qui va gagner, les gars, c'est celui qui aura mieux fait l'étoile. Du coup, je suis obligé de copier Tone Line. Oh, il les a trop bien fait. Les gars, je vais gagner cette vidéo! Continue à regarder sur Tone Line. Okay. Hop là, là ok. Maintenant, c'est de commencer à chauffer dès maintenant pour que les couleurs, elles se mélangent pas. J'en ai fini avec ça. Maintenant, on passe à la couleur rouge. Ça va, tu t'en sors avec les chaussettes qui puent? Pourquoi tu te le mets dans le nez comme ça? On aurait pas dû faire ça! Allez. Je peux mettre le rouge, c'est moi qui vais gagner. T'es malade ou quoi? Oh mec, c'est sûr, je vais gagner, ma technique elle est incroyable. Mais attends, mais toi ça ressemble plus à rien, qu'est-ce que tu fais? Attends, le dernier moment quand je vais le retourner. Je pense que j'ai fait un meilleur Spider-Man que toi, Nack, c'est sûr. Regardez, c'est quoi? Pourquoi il a le visage tout gonflé, son Spider-Man? Mais mec, tu connais le principe, faut attendre que je retourne le pancakes. 3, 2, 1... PALA! Incroyable! En vrai, il ressort bien. Oh là là, je suis sûr que j'ai fait mieux. Ah. Arrête! Attaque, toile d'araignée. Mais non, arrête! Ouh, y'a quelque chose en vrai, je te jure. Oh, derrière, c'est incroyable. Les gars. Arrête de mentir, il est bien. Mais pourquoi t'as fait des yeux? Mon Spider-Man à moi, il a des yeux. C'est bon ou pas? C'est pas Spider-Man, c'est Flopman. Bref, on passe au reveal. Les gars, ça fait 3 heures. Ramenez-moi votre deuxième pancake, s'il vous plaît. Ok. Mec, les gars, c'est mon super-héros préféré. Et c'est lequel qui est le mieux fait? Tu vas regarder esthétiquement et ensuite tu vas goûter. C'est bon ou pas? Ça marche. Esthétiquement, je vais être objectif, les gars. On a un tout petit Spider-Man avec une petite tête. On dirait une coccinelle, les gars! Et juste là, on a un Spider-Man travaillé. On dirait celui dans Spider-Man 8, tellement il est bien travaillé au niveau des traits. Chaque fois, le costume de Spider-Man évolue. Et celui-là, ça se voit, il est en mode prime. Donc j'ai gagné? Pour toi, ça c'est une coccinelle. Ça c'est une coccinelle, ouais, Bilal, pour moi. Et j'ai gagné ou pas? Bah, voilà. Si c'est le tien, je te jure, toi, Nag, ce point il te revient tout droit. Let's go, bah vas-y, je te laisse le goûter. Goûte à ma coccinelle. Non, non. Et un petit arrière-goût, non? Les gars, c'est vraiment parce que c'est vous que je le finis, hein. Goûte, celui-là. C'est lequel le meilleur? La vérité, la coccinelle, elle est super bonne. Bah écoute, Tone Line, il a fait ce pancake avec mes chaussettes puantes, c'est bon ou pas? Ah, quoi? Voilà. Allez, manche suivante. Prochain pancake à reproduire, c'est un hamburger. Un hamburger? C'est parti, je tourne la roue. Et cette fois-ci, c'est toi qui vas encore avoir des avantages. Allez. Sans regarder, jamais. Non! Oh, ça a failli revenir, ça a failli c'est revenir trop. Est-ce que t'es prêt à découvrir ton désavantage? J'en ai marre de cette vidéo. Les lunettes mystères. Eh oui, hop là, c'est des lunettes, en fait. Tu vois multicolores à travers. C'est quoi ça? Mais avec ça, je vois mon avenir. Ouais. Salut, c'est mon lag. Oh, il a une tête. Attends, mais on voit rien avec ça. En fait, ça, c'est l'effet que ton lag, il va avoir dans sa tête. Bref, let's go, on a 2 minutes. Non, non. Qu'est-ce que tu fais? Je vois rien. Mais wesh, tu fais quoi? Elles sont horribles, tes lunettes. Mais t'as pas besoin de te déplacer normalement, reste sur ta chaise. Mais je devais chercher le truc qui était tombé. Pour moi, les deux, ils font la même couleur, là, c'est normal. T'inquiète, ouais, ça se ressemble. Moi, j'ai mis mon petit steak à cuire. En vrai, les gars, moi, j'ai pas besoin de m'appliquer. Je sais que ton leg, il va perdre. Donc hop, je stresse pas. Là, on passe à la salade. Par contre, tu fais... Mais je comprends rien à ce que tu fais, wesh. T'inquiète. Tu comprendras à la fin. Je vois 15 millions. Ok, la salade c'est fait. On met à cuire, bien évidemment. Et maintenant que j'ai mis la tomate, il faut le steak. Attends, c'est où? Ça, c'est celui-là ou pas? Non, c'est lequel, le marron? Je vais te dire, c'est celui de droite, là. Mais non, ça, c'est pas noir, ça? Mais non! Ça, c'est marron, espèce de menteur, va. Mais en vrai, ça commence à ressembler à quelque chose, mais toi, et je te promets que moi, déjà, moi, j'ai du mal à voir. Mais toi, je comprends rien, frère. Après, tu vas comprendre, genre à la fin. Allez, je fais un gros steak, là. Allez, hop. Pour un burger réussi, il faut mettre le cheddar sur le steak. Ton cheddar, il va ressembler à la couleur de ton pain. Du coup, moi, faut que je fasse un carré de cheddar, les gars. Je vais me servir d'ici. Hop là. Mais qu'est-ce que tu fais? T'inquiète. Tu touches à mon burger, t'es mort. Mon burger avec le fromage, c'est bon. Maintenant, on remet un petit peu de sauce ketchup. On met un petit peu de salade une deuxième fois. Quoi?
Double salade dans un burger, mais qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est les cornichons, pardon, je me suis trompé. Et maintenant, on refait le pain au-dessus. Il m'a donné une idée, les gars, je vais faire du cornichon. Et c'est terminé, y a plus qu'à faire chauffer. Et oui, monsieur, voici le burger de la mama. Hein? Ouais, c'est quoi ce truc de fou? Tu peux voir ou pas maintenant que c'est fini? Tu peux enlever tes lunettes, c'est bon. Mais pète sa mère! Mais incroyable! Oh non, non. Qu'est-ce que t'as fait? T'inquiète, t'inquiète, tu comprendras après. Hop là, la cuisson du steak. Hop là! T'es malade, t'es en train de faire un burger dans la vraie vie là. Bah oui! Mais c'est sûr, t'as perdu, c'est pas du tout ça le but de la vidéo. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est exactement ce qu'il faut faire. Occupe-toi de la cuisson du cheddar là. Ah, mais c'est pour toi ça? Bah oui, c'est pour moi. Non, tu te le remets sur ta plaque. Oh! Non mais oh, t'es fou toi. Hop là, les tomates. Hop là, la salade. Oh, il va être incroyable. Et c'est bon les gars. Maintenant, on va assembler notre burger ensemble. T'es prêt pour vas-y. 3, vas-y, attendez. 2, 1, live. En fait, c'est quoi? C'est multicolore comme tes lunettes, en fait, c'est ça? C'est un beau burger. Non, tu l'as tué, je te jure. Pourquoi t'as rajouté, là? On va faire mon burger ensemble. Par-ci, un peu de salade par-là. Un burger, c'est toujours smashé! Mais arrête! Par contre, il est incroyable, mon burger. Allez, les gars, on passe au reveal. Ramenez-moi le troisième pancake! Ouais, les gars, regardez mon hamburger! C'est ça, un vrai hamburger. Oh! Attends, et t'as pas vu le mien? Ouais. Attends, il y a un problème là dans son burger, je comprends pas. Là, il y a de la salade, là, il y a de la tomate. Après, non, c'est non, quoi non. ça regarde, regarde. Je comprends pas. Regarde. Salade, tomate, steak, cheddar, ketchup, cornichon. Salade, steak, cheddar. Mais non, tout mélanger. Ok. On voit le vrai assemblage. Déjà, on commence par le pain. Ensuite, la salade, le steak, le cheddar, double steak, double steak. C'est ça. Et après, si t'aimes vraiment pas les tomates, tu peux les enlever. Mais si t'aimes les tomates, hop là, je te laisse croquer carrément. Mais frère, c'est pas un vrai hamburger. Fais-toi plaisir. Ok, allez. Moi aussi, je vais faire pareil. Attends. Hop, moi aussi, de la fromage. Mais ça ressemble plus à rien. C'est de la bouillie. De la machin, de la truc et un autre pain. Mais voilà, mon hamburger. Mais là, tu caricatures l'hamburger de Bilal. C'est ça. Franchement, moi, je respecte vos œuvres telles qu'elles sont. Goûte-moi. Le tien était très beau comme il était, hein. Il avait pas besoin de se mettre... Goûte. Voilà. J'ai pas besoin de se mettre dans cet état-là, Antoniel. Alors, il est bon ou il est pas bon? Il est pas du tout dégueu, il est très bon. Ah, goûte. Laisse-moi goûter celui-là. Goûte le mien. Allez. Là, tu vois, on voit que ça se marie, regarde. Regardez. C'est un chef-d'œuvre. Pleurer sur le pancake, les gars. Bon, là, on voit bien au niveau des couleurs que t'as fait un travail de zinzin. C'est très, très joli. Bilal, toi, t'es venu avec une innovation, un truc qu'on n'avait jamais vu. Je m'attendais pas à voir ça. C'est ça. C'est ça que je voulais entendre. Je donne le point à Bilal. Ouais. Let's go. Oui. 100% objectif, les gars. Espèce de menteur corrompu. Let's go. 2-1 pour moi, ton like. Bon, oui. T'es un gros tricheur, t'as tout préparé à l'avance. Alors pour cette manche, c'est moi qui vais choisir le pancake qu'on va faire. Et on va faire le logo de TikTok. Logo TikTok? Eh ouais. Ok, ok. Et on va voir ça tout de suite. Qui est-ce qui va avoir un désavantage? Ça va être toi, frère. Allez. Statistiquement parlant, c'est impossible. Y'a pas de statistiques. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. Non. Non! C'est quoi mon désavantage là? Comme tu connais la cloche, pas, vas-y. Toujours. Allez. Je fais pour que je perde toutes les vidéos. Non. Poids lesté? Ouais. C'est quoi ça? Hop là. Aïe! Wesh, t'es lourd! Wesh, attends. Hop là. Le premier. Attends, wesh. Son corps, il a failli se briser. Les gars, c'est trop lourd, j'en ai marre. Et voilà, toi, online. Oh, mais t'es malade ou quoi? Vas-y, bouge de là. Bon, à partir de maintenant, 2 minutes, comme tu connais, logo TikTok. Si je me souviens bien, le logo TikTok, c'est... J'ai bien commencé, hop là, j'ai fait mon petit cercle. Par contre, là, il me faut du blanc. Toi, ne la galée. Attends, j'ai bientôt fini. C'est quoi, ça? T'inquiète, c'est mon logo TikTok. Oh, ça va, tu l'as bien fait, hein? Je peux pas utiliser mes bras, frère, c'est pire. Vas-y, que... fais vite avec le blanc, tu parles trop, là. Et voilà. Ok. Hop, tiens, Bilal. Oh, oh, mais ouais, pourquoi t'as fait ça? C'est pas de ma faute, c'est à cause des bras. Allez. Concentration. Tu crois que c'est une séance de sport ou c'est comment? Arrête! Bon, en attendant, je vais pas perdre de temps. Je vais faire le rond noir. Hop là. Les gars, je crois que je me suis raté. C'est pas mal. Ok, le rond noir, il est pas mal. Hop là. Le logo TikTok, il a des reliefs en bleu et rouge. Attends, faut que je le fasse. Et mon logo, il est vraiment bien. Oh, c'est pas rattrapable, les gars. Ok, ça c'est nickel. J'ai plus qu'à remplir. Bilal, il reste plus beaucoup de temps. Dépêche-toi. Je vais opter pour la stratégie de Twan Light. Je vais commencer, hop là, à cuire. Mais t'auras pas le temps, t'es pris trop tard. Là, on commence à cuire. Oh, ça va être incroyable. Je m'en sens vraiment bien. Oh, mais t'as fait quoi? T'inquiète pas, c'est ma stratégie secrète. J'en peux plus. C'est bon, j'ai fini, je peux enlever mes trucs ou pas? Ouais, c'est bon, tu peux enlever. Ça va être le moment de le retourner. Attention, est-ce que vous êtes prêts à voir mon logo TikTok? C'est quoi ce logo TikTok là? Je savais que t'allais vouloir faire ça, sale tricheur. Mais c'est dégueulasse, y'a Zia qui va goûter ça. Faut que je remette du blanc, Bilal. Moi j'espère que j'aurai géré ma cuisson, les gars. Mais non. Qu'est-ce que tu fais? Oh, tu gardes ton truc, hein. Les gars, c'est le moment du reveal. J'ai pas foiré comme ton like.
En vrai, ça va. En vrai, c'est toujours mieux que ça. Hein. Bon, de toute façon, c'est fini. Le temps, il est fini. T'as pas le droit. T'as pas ton désavantage. En plus, on n'est plus dans le temps. T'en refais un autre normal. Bon, allez, let's go. Les gars, quatrième manche. Mec, wouh, regarde mon logo TikTok. Alors, c'est lequel le meilleur? Par contre, lui, attends, il a triché. Son vrai logo, c'est celui-là. Mais c'est bon, tu t'es pas obligé de le dire. Il avait deux logos, en gros. C'est ça, il a voulu mentir aux abonnés. En fait, là, j'ai raté le blanc, du coup, j'ai refait. Mais c'est rien, c'est juste le blanc. Ouais, c'est une question de couleur, de toute façon. Écoute, moi, je suis confiant. Vas-y, juge par rapport à ça. Tu lui pardonnes, ok. Franchement, les gars, moi, j'ai pas TikTok, mais la vérité, je préfère suite One Life. Ouais. Attends, et celui-là aussi? Mais dinguerie. Bah, j'ai pas TikTok, du coup. Ouais. Vas-y, j'ai gagné. Donc là, il y a combien? 2-2, c'est ça? Let's go, dernière manche, les gars. Bon, il y a égalité. Tout se joue sur la dernière manche maintenant. Et j'ai vraiment pas envie de perdre parce que le perdant, il va se faire tirer dessus par des nerfs. Bon, le prochain truc à cuisiner, c'est Mario. Let's go. Bon, c'est parti. Allez, on va voir qui est-ce qui va avoir cette le désavantage. C'est sûr, c'est Bilal. Allez. Je peux pas croire que ça va être moi. Allez, oui. Allez, je le sens. Oh, 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 oh. Oui. Non. Oui. Ton désavantage sera... Ben, je veux savoir. Attention. Tu dois faire la manche sans pantalon? Mais non. Tu dois faire la manche comme ça, en fait. Non, bon, c'est vraiment pas le pire. Hein. Bon, du coup, Mario, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça, ok. Alors, il a un gros nez, comme ça, alors. Ensuite, il a une grosse moustache. J'ai même pas parlé, j'ai l'impression d'être étranglé. Oh non, je suis en train de me rater, mais oh, ça me gêne trop, le pantalon, par contre. Mais là, j'ai fait n'importe quoi, c'est quoi, ça? Je vais me rattraper, je vais lui faire sa casquette. Le problème, c'est que je vais devoir le faire en deux fois. Je vais assembler comme toi, t'as fait avec le burger. En vrai de vrai, ça commence à ressembler à quelque chose. Faut que je fasse son gros nez, comme Ton Light. Ensuite, les sourcils. Ah, je la sens bien, cette manche, les gars. Non, faut faire sa grosse moustache. Mais tu sais que là, j'ai vraiment pas envie de perdre. Je crois que je fais n'importe quoi. Parce qu'en fait, j'ai pas fait sa casquette, j'ai pas la place. Là, les gars, c'est la manche de concentration. Je ne perdrai pas. Comme je vais devoir refaire la casquette après et l'assembler par-dessus. C'est bon, t'as fini avec le blanc là? Non, j'ai pas fini. J'ai pas fait sa barbe. Bon. Ok, il faut que je colorie. Allez, je me dépêche. Hop là, j'ai fait la casquette. Mais attendez, c'est quoi ça, frère? J'ai pas fait la casquette, attends. Mais c'est quoi ça, frère? J'ai du mal à cause du pantalon, mais toi, frère, t'as aucun désavantage. C'est quoi ça? Mario! Il est incroyable! Oh, il y a quelque chose en vrai. Il a bronzé un peu, Mario. Oh. Maintenant que j'ai fait ça, on va coller la casquette. Vas-y, j'en ai marre de ce pantalon. De toute façon, j'ai fini mon truc. Ensuite, on va coller les sourcils. Ça m'a l'air pas mal. C'est brûlant, c'est brûlant, c'est brûlant. Bon, toi, like, moi, j'ai fini. Attends, moi, je me suis raté un peu. Mais qu'est-ce que tu fais? Je me suis un peu raté. Mais c'est ton t-shirt, mais t'es malade ou quoi? Je veux gagner, je t'ai dit. Oh! Il me reste un peu de temps. Oh là là! J'ai fait une dinguerie, c'est quoi ça? Allez, on fusionne tout. Il te reste 20 secondes, vas-y. Allez. Allez. Ok, allez. Allez. Tu sais que si ça se finit avant, tu t'arrêtes. Bon, t'as pas le droit de finir. Hein. Bon, 5, 4, 3, 2, 1. C'est bon, c'est fini. Lâche. C'est bon, c'est bon, c'est bon, t'as plus le droit, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Let's go! Oh non, 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 regardez-moi ça, les gars! C'est sûr, je gagne! Pour la première fois de ma vie, je vais gagner une vidéo de Bilal! Ok, c'est bon. C'est l'heure de vérité. 3, 2, 1. Ah, il est incroyable! Mais wesh, mais attends, t'as pas pu faire ça en pancake, c'est pas possible, c'est difficile. Un pancake, c'est totalement comestible. Bon les gars, on passe au reveal, tout de suite. Qui c'est que je vais allumer pour la dernière manche? Oula, je me calme, on dirait que j'étais l'agent Z. Montrez-moi ce que vous avez fait, j'ose pas regarder. Bon, écoute, on a fait Mario, j'espère que tu vas reconnaître. Est-ce que t'es prêt pour voir mon Mario? Yahoo! Bien sûr, 3, 2, 1, oh! Quoi? Oh, son Mario, il est incroyable, les gars! Je suis obligé de l'avouer, les gars! Eh, franchement, Bilal, là, y'a pas à parler Milan, hein! Mets-toi ici que je t'allume, présente-moi! Ouais! Attends, je vais tirer du moi aussi! Attends, allez, vas-y! Tu mets trop de temps, moi, Bilal, je vais t'allumer! Je vais t'allumer! Allez! Dégage! Ah là! Fallait pas perdre! Fallait pas perdre! Et les gars, surtout, abonnez-vous et mettez un like si la vidéo vous a plu! C'était toi, Nag! Et Bilal, ciao!